suis pas une glace. C'est fini Noël, on range le sapin. Ah, on adore fouiller les poubelles. J'ai jamais été là. Ah, le laisser passer spécial. D'où t'es le roi, c'est moi qui t'ai sauvé. Tu m'apportes quelque chose de joli. Eh mais les gars, vous êtes sérieux? Je trouve ça incroyable. Ils volent. Oula. Aïe. Bah oui, bah voilà. Ouh. Je vais dans les égouts. Coucou. Un énorme merci à tous mes soutiens et bienvenue à tous les nouveaux membres de la Super Max Family. Merci du fond du cœur. Hey! Comment allez-vous les amis? Je suis super méga content de vous retrouver aujourd'hui. C'est notre toute première vidéo de 2020 et je n'aurais pas pu être plus content que de la partager avec vous. Donc merci, merci à vous d'être là pour ce premier rendez-vous de l'année. Premier d'une longue série de vidéos, puisque vous savez, il y en a deux par semaine, le mardi, le vendredi, toute l'année, même pendant les vacances, même oui. En tout cas, bah, j'espère que vous avez passé un super bon réveillon, que vous avez franchi le cap de 2020 d'une superbe façon. Et si vous avez mal commencé, eh ben dites-vous bien que peut-être que vous avez commencé par le pire et que bah ça va aller de mieux en mieux tout au long de l'année. Faut toujours positiver. C'est mon conseil pour 2020. Je vous donne tout mon optimisme si vous n'en avez pas. Et bah je crois en vous. En tout cas, aujourd'hui, on se retrouve pour faire la suite de Ice Cream 2. La suite du jeu avec Rod, le glacier psychopathe. Merci, merci, merci du fond du cœur. Vous avez été des centaines à m'envoyer plein de messages sur la dernière vidéo pour m'aider. Parce que je suis un petit peu nul, faut le dire. Du coup, bah maintenant, je suis bien armé. Normalement, on va aller beaucoup plus loin que les deux premières vidéos sur ce chapitre 2. Pourquoi pas même le terminer? Je ne sais pas. N'allons pas trop vite, hein. Vous me connaissez, des fois je galère. Et surtout, il y a pas mal d'objets qui ne servent à rien, qu'ils ont mis là juste pour nous piéger, et moi, bah je tombe dans le panneau. Je vois un bocal de cornichons, je me dis tiens, faudra peut-être le mettre dans le frigo. Non. Comme vous voyez, je suis toujours chez mes parents dans ma chambre. La dernière fois, je vous avais parlé de mes cadeaux de Noël et je vous avais dit que j'avais fait des cadeaux de moi à moi-même. Il est l'heure de vous les montrer. On commence d'abord par des jeux Switch que j'ai eu en super solde. Je sais pas pourquoi, les soldes n'ont pas commencé, mais il y a déjà des magasins qui cassent les prix. Je mime bien le cassage de prix. C'est pas forcément des jeux super méga excellents, genre Zelda, tout ça, mais c'est des jeux cool que j'avais envie de faire, basés sur des licences que j'aime, comme l'âge de glace, où on incarne Scrat, le petit écureuil, la Rebel Collection de Assassin's Creed. C'est un pack qui regroupe Black Flag et Rogue. C'est complètement dingue de jouer à Assassin's Creed sur une console portable, comme ça, dans les toilettes. Jumanji, le jeu vidéo. J'adore la licence Jumanji. Cool. Ah, je viens de recevoir Tsum Tsum Festival. Trop mignon, c'est les petits Tsum Tsum de Mickey. Tous les personnages Disney en version Tsum Tsum. Plutôt sympathique. Dragon, qui apparemment est vachement bien. Jeu d'aventure sur la saga Dragon que j'adore. Donc ouais. Le deuxième cadeau que je me suis fait, c'est une paire de baskets Puma. Je l'ai payé 39 au lieu de 110. Je vous le dis, c'était bon plan. Pepsi. J'adore Pepsi. Bah, j'en bois pas. Mais j'adore le logo Pepsi, les couleurs Pepsi, tout ça. Et ils ont fait une collaboration Puma-Pepsi. Elle est trop trop jolie. Bon, après, faut assumer avoir le look de Sonic, hein. Bleu comme les canettes de Pepsi. Mais avec les logos Pepsi juste ici. Ici. Ici sur la languette. Sur la semelle, le logo Pepsi. Bien, bien bleu. La semelle, on en parle. Il y a certains qui vont dire oui, mais ça te dérange pas de faire de la pub de Pepsi. Écoutez, quand vous portez une paire de Nike, même de base, vous faites la pub pour Nike, hein. Donc, aïe, je me suis fouetté avec le lacet. C'est d'ailleurs les lacets bleus qui étaient déjà installés sur les chaussures. J'ai dit non. Il est l'heure pour le moment de courir vers le générique. Yeah. Et c'était le premier générique de 2020. Je ne peux pas commencer l'année sans remercier tous ceux qui sont abonnés à ma chaîne depuis très longtemps. Merci, merci, merci à vous d'être toujours là en 2020. Vous vous rendez compte, 2020, c'est dingue. Merci également à tous ceux qui nous rejoignent chaque jour. Surtout ces derniers jours, vous êtes de plus en plus nombreux à nous rejoindre et ça, ça fait chaud au cœur. Et bien sûr, si vous venez d'arriver et que vous n'êtes toujours pas abonné et que vous voulez faire partie de la Max Family, chose que je comprends tout à fait, et bien allez-y, c'est gratuit, faites-le dès maintenant, c'est votre chance. Là, tout de suite, cliquez sur le bouton rouge ainsi que sur la cloche en pensant bien à activer toutes les notifications pour être sûr de recevoir toutes mes vidéos. Chaque semaine, il y en a deux, le mardi et le vendredi à 17h. Et ça, c'est le bonheur. Calme-toi. Il est temps de se téléporter au même endroit pour jouer à Ice Cream. Ouh. Et voilà. Waouh, j'étais loin. C'est le moment où on va commencer à jouer avec Ice Cream chapitre 2. J'ai vraiment hâte de faire eh bien l'aventure avec vos indices. On y va tout de suite sans plus tarder. Laissez un max de pouces bleus pour bien démarrer l'année. Et c'est parti. Musique du générique. Je ne suis pas une glace. Ah, on retrouve Ice Cream 2 et ça c'est cool. J'espère qu'on va aller plus loin, mais j'en suis sûr parce que avec vos indices, voilà, ça va aller. On va jouer en mode normal. Je vous ai entendu. Vous avez été très 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 nombreux à me demander de jouer en mode fantôme. On le fera, promis, promis. Mais pour l'heure, on va avancer dans l'aventure. Bien sûr, on est obligé de recommencer depuis le début. On a déjà vu l'intro dans la première vidéo consacrée sur le chapitre 2, au chapitre 2 plutôt. Donc, bah, je vous laisse aller la voir. Ouh, musique! Alors, pour commencer, il faut prendre les... Ah, il fallait d'abord... Attendez, c'est fini Noël! On range le sapin! Dit celui qui va garder son sapin jusqu'à février. Je me connais. On va d'abord... Mais qu'est-ce que ça fait? Ça fait des petits sauts comme ça de... Bonjour! Allez, ça j'aime bien regarder quand même. Ne joue pas avec moi! Donne-moi la glace!
Suisse. Ah d'ailleurs, j'ai le traducteur officiel du jeu en français qui m'a écrit un commentaire sous ma dernière vidéo Ice Cream. Il m'a dit que c'était Lys le vrai prénom en fait, et pas Lisa. Donc on va l'appeler Lys, on verra. D'ailleurs merci à toi d'avoir commenté la vidéo. Ah, et ben voilà, ça fait une Lys glacée. Un Mr. Lys, Mr. Freeze, Mr. Lys. Bon, allez c'est parti. Hey, toujours aussi vulgaire ce petit Ice Cream. Enfin, ce petit Rod, son prénom. Hein, même si on a envie d'appeler Ice Cream, c'est Rod. On y va. On va récupérer la petite cartinounette qui est juste ici. On s'accroupit. On observe, il est où? On voit à travers les roues, mais... Ma! Il m'a vu. Mais pourquoi? Mais pourquoi tant de haine? Mais c'est pas possible, mais d'habitude il va dans l'autre sens. Il va où? Vous allez voir. Ah non. Mais attends, mais Rod, mais calme-toi. Allez, on y va, on place la carte. Et on va essayer d'appuyer jusqu'à ce qu'on puisse y aller. Allez, 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 s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Il va venir. Vite. On va aller au cinéma. On va au cinéma. Mince, j'aurais dû... Non, on va aller au cinéma. Non, c'est pas au cinéma que je voulais aller. Bon, ça, on l'a déjà vu, c'est Rod petit. Ah, je sais pas par quoi commencer. Aïe, 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 il y a trop de choses à faire. Je ne sais pas par quoi commencer. Attendez, attendez. Je crois qu'il faut commencer par le cirque, parce que vous m'avez dit que... Oui, on va aller au cirque. On va aller au cirque. Il est où? Ah! Non, 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 non! Je voulais aller au cirque! Non! On va aller au cirque, parce qu'on va récupérer le cintre, et parce que vous m'avez dit que c'est le cintre qui nous permettait de faire tyrolienne sur la corde. Et surtout, j'ai envie d'aller récupérer la pâtée pour chat, pour aller attirer le chat et l'échanger avec... Il ne nous laisse pas tranquille. Aujourd'hui, il est plutôt... il commence l'année lui aussi de façon bien sympathique, le petit Rodinounet. Allez, 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 on y va. On va aller au cirque. Et en plus, vous m'avez dit de fouiller dans la poubelle. Et je pourrais enfin rentrer dans le club de mes amis. Donc ça, c'est cool parce que vous m'avez dit que c'est là-dedans qu'il y aurait ma carte d'identité. Allez, poubelle. Bah non. Attendez, attendez. Ah, là-dedans. On adore fouiller les poubelles. En plus, il fait froid, il y a de la neige. Qu'est-ce qu'on a? Rien. Ah bah oui, mais c'est comme dans la cafétéria. Oh là là, il y a toutes ces poubelles-là. Mama. Eh bien, c'est parti. On est parti pour fouiller toutes les corbeilles du quartier. Et j'espère trouver ma carte d'identité. Rien. Continue. Allez, 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 allez. Fouille, dépêche-toi. Si tu pouvais fouiller un petit peu plus rapidement, ça m'arrangerait. Heureusement, normalement, il y a la petite musique quand Rod nous voit. Rien. Je sais pas où il est. On entend la musique, ça veut dire qu'il est pas très loin. Alors, j'espère que c'est la dernière corbeille et que l'objet se trouve à l'intérieur. Ah, mais non. Mais alors, elles sont où les autres corbeilles à fouiller? Là, il n'y a rien. Maman. Alors, vous m'avez dit aussi les corbeilles du chapiteau. C'est quoi ça? Rien du tout. Il y a une corbeille dans le chapiteau? Non. Ok. Alors, ah là! Ah bah non, ça on l'a déjà fouillé. On l'a déjà fouillé ou pas? Ah bah non, on l'a pas fouillé. Celle-ci. Allez, fouille! On entend bien le farfouillage de poubelle. Mama, il est là! Mais non! Ah, il y en a une ici! Ah, il y en a une ici! Mais comment je vais faire? Il me suit! Je veux fouiller les poubelles. J'ai jamais pensé dire cette phrase un jour dans ma vie, mais oui, laissez-moi fouiller les poubelles! Attendez, je peux faire le tour par là? Non! J'ai jamais été là! Mais qu'est-ce que c'est que cet endroit? Oh, les amis, j'ai découvert tout ça à un nouvel endroit. Oui, je suis sûr que vous l'avez trouvé déjà depuis longtemps. C'est pas une découverte, mais moi je suis content. Mais alors, ça sert à rien cet endroit? C'est pour échapper à Rod? Ok. Très utile de monter sur le panneau publicitaire, bravo! Allez, on y va. Va-t'en, Rod. Attendez, on va fouiller celle-ci. Allez, fouille, 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 fouille. On a le temps, on a le temps, on a le temps. Tant qu'il se retourne pas, tout va bien. Allez, allez, allez. Ah! Rien. Yaï! Donc ça veut dire que c'est dans celle-ci. Mais j'ai pas le temps de regarder. Mais pourquoi? Mais il est méchant celui-ci. Bon, 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 bon. Attendez, on va le semer par là. Allez, viens, Rod. Tu viens? Rodinounet, viens par là. Allez! Voilà, il va venir, on fait le tour, on va fouiller. C'est bon, il est tombé dans mon piège, le petit loser! Allons, on y va! Celle-ci, celle-ci, celle-ci. Dépêche-toi, je vais m'accroupir par là et je fouille. Je me dis que je suis caché derrière la corbeille!
Bon, si c'est pas dans celle-ci, je sais pas où regarder, hein. Le laissez-passer spécial, je l'ai, je peux rentrer dans le club. Oui, oui, ça y est, mes amis, on peut enfin rentrer dans le club. Mais sauf qu'il y a Rod qui nous pourchasse. On va éviter Rod en passant dans le cirque. Allez, viens, viens voir le petit cirque. La 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 la. Et hop, magie, disparition. Hop, il est nul. Allez, c'est bon, je peux rentrer. Coucou. Bienvenue. L'ennemi est proche, ce n'est pas le bon moment. Eh, mais les gars, vous êtes sérieux? Mais ils sont sérieux. Mais je vous déteste. Je vous ai sauvé et vous... Ils sont méchants. Pourquoi ils m'ont fait ça? Pourquoi je suis le seul à faire les aventures? Ils sont là dans le club, bien au chaud, bien protégés, tranquillement, là, à base de tranquillade. Non. Oh oh. Moi, je me suis mis dans un piège. Très utile. Bravo, Max. Bravo. Allez. On va par là. On va te semer encore une fois, mon petit Rod. Hop, et on va tenter de rentrer dans le repère secret, enfin. Bon, bien sûr, je pense qu'il faudra que je prenne des objets, il y a des choses à faire. Mais en tout cas, c'est bon, là? Yes! Salut, les amis! Coucou, Charlie! Welcome to the secret lair. I am the king. D'où t'es le roi? C'est moi qui t'ai sauvé. Mais d'où... À quel moment, à quel jour tu t'es dit « je suis le roi » Bon... En tout cas, je suis bien content d'être ici, c'est la première fois que je rentre là, c'est un nouvel endroit. Ouh, un lance-pierre, cool. Ça va être mon arme. Oh, c'est qui lui? Bonjour. Mike. What's up, Jay? Salut. I have a rare piece that I found out there. Ouh, un objet. You know what to do with it. Yeah, vas-y, donne-moi. If you bring me something pretty, I'll give it to you. Tu veux quelque chose de joli? Ils sont sérieux, là, il y a un psychopathe en liberté dans les rues de la ville, et lui, il me fait un petit chantage. Tu m'apportes quelque chose de joli. Je vais t'apporter la licorne, tu vas voir. Oh, c'est quoi? On peut jouer? Il y a un jeu dans le... Oh, ils sont sérieux, il y a un jeu! Je suis mort. Il y a un jeu dans le jeu? Alors ça... Ça, il y a plein de jeux vidéo qui ont déjà fait ça. Je trouve ça incroyable. J'adore ce genre de truc. Ah, et moi, je me prends au jeu. Hein, là, oui, là, je vais vous dire que... Je vais essayer de battre... Ok, 106. Bon, écoutez. C'est plutôt pas mal. On va essayer de... Je peux pas déverrouiller la porte pour ensuite pénétrer plus facilement, tant pis. Là, y a rien, des interrupteurs. Ok, il veut quelque chose de joli, eh bien, il aura quelque chose de... Oh, c'est peut-être l'horloge chat. Allez, on va chercher la pâtée pour chat, on va chercher le chat. Tac, on y va. D'abord, il faut aller chez la mémé. Alors, est-ce que c'est cette maison? Je ne sais jamais. Non, c'est pas cette maison parce que c'est celle où on peut aller sur le toit. Donc c'est là-bas. On va aller chercher la pâtée pour chat. On va attirer le chat. On va remplacer le chat par l'horloge. On va lui donner l'horloge. Et il va nous donner un objet spécial. Oui. Allez, on y va. Tac. Pâtée pour chat. Alors, la pâtée pour chat, elle est forcément ici. Alors, je suis pas sûr qu'elle soit dans la cuisine hein, parce que hein, grand-mère n'avait plus toute sa tête. Elle rangeait les choses un petit peu. On a le cintre ici pour faire tyrolienne. Hein, ça, on le sait maintenant. Non, c'est pas là. Ok. Oui, la pâtée pour chat, s'il vous plaît. Là, non, là, non. Là, dans le tiroir du haut, non. Bah, ça se trouve, elle l'a bien rangée cette fois-ci. Elle l'a mis dans le... dans la cuisine. Eh bien, écoutez, on va dans la cuisine. Hein. J'étais mauvaise langue. Et on va fouiller jusqu'à trouver la petite pâtée. Ah! Ça y est, j'ai la nourriture pour chat. On retourne, enfin plutôt, on va au cimetière parce qu'on n'a pas été encore aujourd'hui. Il est où mon camion? Camion! Pouette, pouette, allez, on y va. Rod, je sais pas où t'es. Laisse-moi partir au cimetière, s'il te plaît. Hop, on va au cimetière. Dites-moi, j'ai oublié où... Ah non, c'est dans le stall qu'on a la bougie. Et ensuite l'allumette. D'accord, d'accord. Bon, je sais pas trop encore... Oh, il y a le chat, là, je l'avais jamais vu. Minou, minou. Regardez. Oh, il vole. Oula. Ça, c'est un sacré saut. Hein. Allez, termine ta pâtée ou pas? Voilà. Le pauvre, il a à peine eu le temps de manger une petite bouchée. Que, voilà. On retourne au cinéma et on va prendre l'horloge. Et on va voir si c'est ça que Mike veut. Parce que Mike a des exigences. Alors attention, Rod se cache des fois là-dedans. Aïe. Bah oui, bah voilà. Bah. J'ai eu raison et j'ai eu peur. Allez, tac, 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 le petit chat, lui, il est en mode... Qu'est-ce qui se passe? Lâche-moi. D'habitude, un chat, quand on le tient aussi longtemps, il reste pas immobile comme ça. Hein. Il te griffe, il se débat. Ça, c'est un chat qui a été un petit peu... endormi, je crois. Ah! Allez, 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 on n'a pas le temps. Tac! Voilà, j'ai l'horloge. Il faut que je retourne au cirque. Mais Rod, bien sûr, est là. Et Rod ne me laisse pas retourner au camion. Nanana, 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 nanana. Ça se trouve, c'est pas ça, hein. Ça se trouve, c'est la licorne qui voudra. Hein.
D'ailleurs, elle est où cette licorne? C'est bon, il est parti? Il est où? On a Semérode. Eh bien écoutez, on va essayer d'aller au cirque. On va essayer de lui donner l'horloge. Je me dis que ça peut être ça, parce que c'était un objet qui était difficile à trouver. Et du coup, ça me semble être le bon objet, quoi. Vous voyez? On va voir. Mike, est-ce que tu veux mon horloge? Il est sérieux, celui-ci? Comment ça, c'est moche? Oh! Bon, on va laisser ça là. On va lui chercher la licorne. Il va être content. Ou pas, d'ailleurs. Oh, c'est peut-être pas la licorne qu'il veut. Attendez. Avant de faire ça, je suis très curieux de savoir ce qu'il y a au-delà de la tyrolienne. Donc, on va chercher le cintre. Ça se trouve, l'objet que Mike veut se trouve... au-delà de la tyrolienne, vous voyez. Qu'est-ce qu'il faisait chez la grand-maman? Il m'a fait peur. Mais qu'est-ce qu'il est méchant, c'est pas possible. Je vais me mettre en PLS ici. Ah, j'ai eu peur. Allez, on attend qu'il s'en aille. Coucou. Voilà, voilà. Tu viens? Allez, viens mon petit Rod. La 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 la. Et on va passer par là, discrètement, à base de discrédade. Hop, par là. On va chercher le cintre et on va faire tyrolienne, ça va être trop bien. Allez hop, donne-moi ça. Tac, merci. Mais ah, la porte! Mais le fauteuil! Mais attendez, les meubles sont contre moi ou comment ça se passe? Hop, on est sur le toit de la maison de la grand-maman et on va faire de la tyrolienne. Oui! Regardez, attention. 3, 2, 1. Ouh! J'aurais dû sauter sur le chapiteau, je crois. Ce fut un échec. On recommence. Ah là, moi alors, je croyais que tout allait être fait comme ça, facilement, mais non. Rod! Bon, écoutez, comme on va plus vite que lui, on y va, hein, tant pis. C'est juste qu'il faut pas que je me trompe et que je vise bien sur la corde, hein, parce que sinon, il va venir me croquer, le petit croquinou. Hop! Il faut que je lâche quand je suis au-dessus, parce qu'il y a la toile du cirque qui a l'air un petit peu chelou. Regardez. Là! Coucou! Cette zone pourrait être cassée avec un fort impact. Oh, faut que je tombe dessus, mais non, mais... Ah, oh, c'est pas possible. Et maintenant, je peux plus y aller parce qu'il y a Rod. Attendez. Rod? Rod? Ben, il est où? Il n'est pas là, tant mieux. Alors, il faut vraiment que je saute et que je tombe sur le truc. Alors, on attend. On saute! Oh, oui, oui, oui! On est où? On est derrière. Ah! Alors, qu'est-ce qu'il y a à faire ici? Cage. Oh, qu'est-ce que c'est? Ouh, une nouvelle zone! Je jette le cintre et je vais dans les égouts. Coucou! Waouh, ça y est! Oh, les amis, merci à vous! Grâce à vous, je peux aller dans le... j'ai pas envie d'aller là, moi! Ah, il fait trop sombre, peut-être, non? Il va me dire... Ah, sinon, je vais penser aux allumettes, hein, mais non, apparemment, ça va. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici? C'est quoi? Oh, une bouteille de gaz! Vous devez enlever les vis. Ah! J'ai pas de tournevis! Mama! Attendez, parce que la bouteille de gaz, je suis sûr que ça va être avec les allumettes. On va faire boum! Oh, on va casser le mur dans le cimetière! Mais oui, mais voilà, tout fait sang! Ah, on est là, dans la fameuse petite maison! Oh! Pourquoi je peux pas ouvrir ça? Cette porte est verrouillée de l'intérieur. Bah oui, bah j'aimerais bien la déverrouiller parce que je suis à l'intérieur! Ça marche pas. Y a rien d'autre à faire ici? C'est bizarre ça. Je peux pas ouvrir là. Ah, pourquoi ils nous ont mis cette zone si on peut rien faire ici? Comme c'est étrange ce truc. Bon, en tout cas, on va visiter le reste des égouts. Par là. Hop. J'espère qu'il y a quelque chose à faire. Hop, 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 la 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 la. Ah bah non. Ah bah si. Peut-être qu'on peut ouvrir ça? Non. Bah! Alors, avec quoi on peut déverrouiller la bonbonne de gaz? Le tournevis, j'en ai pas vu. J'ai pas vu de tournevis! Et d'ailleurs, comment on fait pour sortir d'ici? Comment je fais pour m'en aller là? Attendez, je crois qu'il y a eu un bug. La porte est verrouillée de l'intérieur. Normalement, on part par là-bas. C'est pour ça qu'il y a la pièce. Mais là, c'est fermé. Parce que c'était un bug, je peux pas sortir! Attendez, on va réessayer, mais je crois que... Le petit bruit quand il marche, c'est assez rigolo.
Hop, 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 hop. Allez, 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 allez. Est-ce que je vais pouvoir sortir? Ah, le petit loquet. Oh bah, il fallait le voir, ce truc. Bon, j'ai l'horloge, mais je sais pas quoi en faire. J'ai pas de tournevis. Peut-être que c'est lui qui va me donner un tournevis. Et donc, il faut trouver un objet joli. Allez, on va essayer avec la licorne. Si c'est pas ça... Il va entendre parler du pays, moi je vous le dis. Allez, licorne, où es-tu? Licorne inounette. Pourquoi pas lui donner ma... Pourquoi pas lui donner la boîte de cornichons? Ah, la peluche également, elle est très jolie. Attendez, je vais essayer avec celle-ci d'abord. Ah, laisse-moi... Ouh, j'ai frôlé Rod. Et c'est pas une chose que vous avez envie de faire en temps normal, je vous le dis, moi. Non, non. Hop, c'est quoi là-dedans? Ah, mais si, la clé à laine. La clé à laine. Ah, J'ai eu peur. C'est la clé à laine, bien sûr, pour peut-être déverrouiller les... Oh, mais oui. Mais ça fait déjà longtemps qu'on joue, non? Qu'est-ce que c'est? Bon, je vais juste, avant d'arrêter, voir si c'est bien la clé à laine qui me sert à déverrouiller le truc, là. Donc, je vais prendre... qu'est-ce que c'est déjà? Oui, les pinces. Tac. Ah, mais non! Les pinces, c'est pas pour ça. Attendez. Je peux pas sortir. Comment on sort déjà d'ici? Youhou! Je suis pas une célébrité, mais sortez-moi de là, s'il vous plaît. Ouh, ah oui, la clé. C'est ça. Tac. On y va. Je ne peux pas avec lui, je ne peux plus, je n'en peux plus. Allez hop, on y va, cette fois-ci il faut faire tomber ceci. Hop, on y va. Monte, tac. Voilà, je passe par là. On va aller chercher la clé à laine. Et non pas la clé à coton, la clé à laine. Rigolo, on va au cinéma. Je récupère la clé à laine et je retourne au cirque et je vais essayer. Si c'est ça, je suis content, parce que ça veut dire qu'on a bien avancé. Alors, la clé, elle est normalement par terre, quelque part. Par là-bas. Elle brille. Elle brille de mille feux. Bonjour, clé à laine. Hop, merci. Toi, tu me laisses tranquille, s'il te plaît. Moi, je retourne au circus. Cache-toi dans... Oui. Voilà. Allez, on y va. Cirque. Ok, comment on fait pour aller? Ah oui, tac, je vais passer par la porte que j'ai verrouillée maintenant, tout au bout là-bas. Ça c'est cool, ça crée des raccourcis, plutôt sympathique. On y va. Ah, oh, pourquoi j'ai l'impression... Si, c'est là. Voilà, je passe par là, je vais par là, et... Ah, la porte, mais c'est pas possible. Et on y va, on essaye de déverrouiller ce truc. Tac, tac, est-ce que c'est ça? Dites-moi que c'est ça. C'est avec la clé à laine qu'on a la bouteille. Maintenant, je suis trop curieux. J'ai envie de voir si c'est avec la bouteille de gaz qu'on va faire exploser le mur. Allez, on y va. Je suis pas loin. On va au cimetière. Il est sérieux, lui, toujours là quand il faut pas. Hein. Merci. Mais non, merci. Allez, viens. Fais le tour. Allez, on va au cimetière. Tac. Allez. Mais tu sais que tu vas me laisser y aller, alors va plus vite. Voilà, cimetière, merci. Quand même, pas rigoler. Allez, on y va, je vais juste essayer ça. Depuis tout à l'heure, je dis juste, je vais juste faire ça, mais en fait... Est-ce que c'est ça? Oui. Bon. Écoutez les amis, je suis très content. Dans la prochaine vidéo, je sens qu'on va... On va tout exploser. Oui, je suis trop content. On a bien avancé. On a fait la tyrolienne. On a été dans le repère secret. On a mis la bonbonne de gaz. La prochaine fois, je pense que tous les éléments seront réunis. Bien sûr, n'hésitez pas à me donner vos derniers indices dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, si vous voulez qu'on fasse la suite enfin et qu'on y arrive, laissez un max de pouces bleus. Abonnez-vous et partagez cette vidéo à moins l'un de vos amis pour faire grandir la Max Family. Merci à tous et à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye.